mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya luna En séjour, nous sommes en pleine promotion extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e ba na monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez au Les Nazarens 100% chrétiens, toujours vos amis. Nos salutations à vous qui nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre purement professionnel. Nous sommes venus voir le père biologique de la sœur Tiffany Mokwa afin de l'interviewer par rapport à notre événement. Suivez-moi. Bonjour. Je m'appelle Michel Mokwa Sierra. Moi, j'ai plusieurs enfants. J'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Notamment ma fille Fanny. Et Fanny Mokwa. Et c'est ma fille. Je ne sais pas vous dire autrement que c'est ma fille. Je sais que Fanny est née à Kinshasa, ici, de moi et de sa mère, Anne-Marie Komba, Yvette. Elle est née à Kinshasa, elle a grandi à Kinshasa, elle a fait toutes ses études à Kinshasa, elle a fait les études primaires chez les catholiques, elle a fait les études secondaires chez les kimbanguistes, elle a fait l'université à Lenikin, là où elle a terminé en sciences politiques et administratives comme licenciée. Je ne sais pas comment vous dire qu'elle n'est pas ma fille. Je ne peux pas inventer ça. Hein? Fanny, elle porte mon nom, tout d'abord. C'est ma fille. Hein? Elle est dixième parmi mes enfants. Et des filles, elle est quatrième en ordre des filles. Elle est dixième en ordre des enfants. C'est ma fille. C'est mon enfant. Et elle a grandi totalement sous mon toit, dans ma maison. C'est moi qui l'ai élevée, pratiquement seule, parce que sa mère est morte. Elle avait, je crois, 7 ans et demi. Sa mère est morte, décédée. On l'a enterrée. Moi, j'ai pris les enfants, j'ai continué à les élever, et à élever surtout Fanny. J'ai pris soin d'elle sans désemparer. Je lui ai donné une éducation chrétienne, catholique, parce que je suis catholique. Ouais, je suis Pépé Mokwa Francis, le grand frère de la sœur Tiffany, que j'aime bien, donc ma sœur biologique. Bon, nous sommes nés dans une famille de plusieurs enfants, nous sommes beaucoup. dans lesquels la sœur Fanny fait partie. Bon, je suis serviteur de Dieu, prophète Pépé Onésime, dans une église de la place en Angola. Et ici, comme professionnel, j'exerce la couture comme métier, comme profession. Okay.
C'est une gamine trop fantastique. Hein? Bon, vous savez, nous n'avons pas assez de petites sœurs dans la famille, parce que moi je suis le deuxième de la famille. Notre sœur Fanny, j'ai un regard très spécial envers elle. Donc, je ne sais pas si vous me permettrez de parler son lingala pour permettre à tout le monde d'écouter sans problème. Bon, sœur Fanny, Aza sœur Moko, trop fantastique. Au moni na ba famille, Tobotamake Bele, même papa, na maman, vous pouvez remarquer que Bazala Kazaka na moi, Baba na na bango, oyo. Balingara mingi. Le cas ya Jacob. Papa ba Jacob. Isaac, il aimait beaucoup son fils, Esaou. Tandis que la maman, bandeko linga mingi Jacob. Donc, Esa normal. Donc, la soeur Tiffany, aza moko ya balé ki nanga ya basi, ona linga ka tellement mingi. Elle avait déjà une ligne parmi ses soeurs. Elle était comme Joseph dans la famille des 12 des enfants de Jacob. Donc pratiquement, même ses frères, il y en avait qui étaient tendres vis-à-vis d'elle. Et il y en a qui savaient que j'avais un penchant pour elle. C'était un penchant parce que je voulais qu'elle puisse remplir un certain nombre de pas dans le chemin qu'elle avait choisi. Au moins, tous dans la famille, oh bah les kabasi baza mingi vraiment t'es. Alors, Serf Tiffany, aza parmi baleko na lingaka mingi. Pourquoi na saliang on a nengete na dénigré baleki na nga mususu? Eza simplement parce que aza sœur oyo na moniko botama na ye, na moniko kola na ye. Vraiment, c'était fantastique. Parce que comme il y a tant moko bande ko singa ke nga vraiment muti fallait na utiliser ton na nga plein. On a dédié qui tourne en plein pour na ko zalana bango ko kolana bango pratiquement na kolina bango ensemble na zalina balé qui na nyonso wana ensemble. Alors la sœur Tiffany za moko ya bango on a vivre un temps wana nyonso ti na koli. Bon, la sœur Tiffany a grandi avec le nom de Fanny. Vous savez, quand on devient grand, c'est comme moi. Je suis Pépé. Mais on me surnomme Francie. Donc c'est comme ça. Donc la sœur Fanny est surnommée Tiffany. Mais ce nom Tiffany, je trouve génial. Hein? C'est bien. J'aime ça. J'aime ça. Ok, par rapport à ma présentation, moi c'est Monsieur Blaise Nsahi, marié. Marié à madame, mon épouse, qui s'appelle Béni Zola de sa famille, et maintenant qu'elle est ma femme, c'est Béni Nsahi. Et on a un enfant qui s'appelle Zuriel Angelo Nsahi. Voilà, c'est un peu ça par rapport à ma présentation. Oui, Tiffany, je dirais que c'est ma sœur. Son père et le grand frère de ma mère. Donc, on s'est connus depuis. Bon, on se connaît depuis toujours. Donc, c'est la famille, voilà un peu. Fanny, c'est ma nièce. Elle était chez moi de 8 à. Elle est restée chez moi. Elle est. Brillante. Ok, pour na enfance ya petite sœur nangai, na ko souhaiter na respecter na nous moi mingi, na longoli non chapeau pour na beta masolango moi bien. Parce que na kati ya kobota ma ya Tiffany, oko remarqué que les années locaux, moko on a une habitude très important. Il y a beaucoup moins d'années. Tant que ça là, qui vraiment dans nos bébés.
Bon, et ça ne l'a comment que salamaki. Sœur Tiffany a bela ki maladie moko o vraiment ko kay ko memae na koufa. Donc et l'oko ana na comprendre ka vraiment te qu'est-ce que et l'oko place na comment ko comprendre. Donc liboso na bande ko comprendre te mais tant na koli na koti na kata bonzambe nde na komis ko ko comprendre que c'était Dieu nde mutapona ki mwana na ye. Donc na habité soki ba ko memelanga i photo na ye wana na garda kango jalousement. Likambo ekamwisanga mingi parce que ba bébé bazalaki ebele mais ba bébé ba bikaka ka misato. Donc na kati ya ba bébé wana c'était à la clinique universitaire. Donc sur ba bébé wana moko na bango sœur Tiffany. Donc ozo mona bango nyonso baza na ba bande na mutu donc ba passa ko opération moko ya mutu. Donc ebangi saki tellement que ta musu to koza na le ki moko boye ya kizengi to. Par rapport à la maladie, il y a, j'avais parlé de l'asthme, mais l'asthme est venu après, lorsqu'elle avait à peu près 5 ans ou 6 ans. Ça, on a pu guérir sa mère. Fanny a souffert, elle a été hospitalisée lorsque nous sommes venus à Ngaba pour la première fois. Elle a été hospitalisée pour au moins 11 mois. 10 ou 9, 10 ou 11 mois. C'était un autre universitaire. Il y avait au moins une dizaine d'enfants qui étaient dans ce cas-là. Mais au finish, tous les enfants étaient morts, sauf Fanny. Et on leur avait pris une photo parce que c'était une photo souvenir. Je dois avoir ça à la maison. On leur avait pris cette photo-là comme une expérience réussie par... C'était un cas perdu, mais on l'avait récupéré. Enfin, c'est cette maladie-là qui a fait, vraiment, elle a souffert pendant au moins 11 mois. Et personne n'a entré dans cette chambre. Il n'y avait ni sa maman, donc tout le monde était à l'extérieur de la chambre où étaient internés ces enfants-là. Enfin, elle était internée dans cette chambre-là. Pendant tout ce temps, sa mère ne la touchait pas. Moi, d'ailleurs, je n'arrivais même pas, je ne l'avais plus vue. Il y avait seulement sa grande-mère, la grande sœur de ma mère, donc sa grande-mère, qui était là. Sa mère était très jeune, bon, elle ne parvenait pas à supporter ça. Si bien que c'était ma tante maternelle, ou la grande sœur de ma mère, qui restait en permanence tous les jours pendant ces 11 mois-là autour d'elle. D'ailleurs, c'était une facture faramineuse, une très grande facture, une grosse facture, bien que je travaille à la banque et je ne pouvais pas couvrir cette facture. Bon, la sœur Tiffany, quand la coco la sœur Tiffany, elle est tellement calme et makasi que elle a une difficulté à ko caractériser na likambu moko boye o soke salami ke fo boye bake. Et ça, la sœur Tiffany. Donc, na mémoire, nangai, nazo garder ba biloko mokote ya ke non soke sa. Parce que normalement, na ba aja bo moine et zaka mingi, soki ba pandi kuna, soki ba ibi kuna. On comprend, ba biloko mo ya ba bongo. Donc, et ça, ba biloko na tika la ko mo nango vraiment pas na ete. Donc, na zape nan loko o na kap, na ko kapte vraiment te na. Il y a que turbulence tout ko cassé babiloko donc na monango vraiment té na bon na moins à 12 ans na hein na monango té bon sur attitude il y a certes Tiffany il y a calme hein? Et ça premièrement et là qu'on a la remarqué parler qui nangai et ça alingaka mingi vie à solitude. Donc,
natikali vraiment comme on a été na ba turbulence moko ya do alobarana nu mingite alobarana nu mingite comme on dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je pourrais dire que la Tiffany que j'ai connue lorsqu'on grandissait, c'est vraiment l'opposé de la Tiffany actuelle servante du Seigneur. Donc je dirais que le Seigneur a vraiment fait un travail, elle a beaucoup changé, il a forgé son caractère, il a forgé sa personnalité, elle est maintenant plus ouverte, elle est maintenant, c'est une autre personne je dirais. Tiffany était beaucoup souvent dans sa chambre, elle restait au salon mais ce n'était pas son habitude. Lorsqu'elle venait s'enfermer, soit pour lire, pour étudier, soit pour faire sa prière, soit pour autre chose que je ne connais pas. Elle pouvait rester dans la même dans sa chambre. Si on s'est présenté comme on en a fait à Jirès, l'assemblée de l'église de la restauration de Brèche, le pape prophète Josué, il y a petit frère, à sœur Tiffany, deuxième à prier. Bon, l'ambiance, c'est là qui tellement bon, tellement papa Lingato a uni. Tocole si comme encore depuis bas âge si toco mine tes abos. Bon, ma qualité en tant que petit frère qu'on a grandi en aïe. Bon, tocole bien. Par rapport à nous, la témoignage, je n'appelle ça partout, pas la jeune fille. Pas bah te belé que les alaké jeune garçon qu'on en a grande sœur au moins la moi bah via le yenge pendant la tikalo belé la moi. Bon, normalement Tosa naît d'une famille chrétienne catholique, donc c'était comme ça. Mais Tosa na papa moko boye oyo na tikali ko atike la rabana liberté hein, il y a religion. Article la rabbin a liberté à religion prévenait que nga déjà tant ba sœur Tiffany bazo mema bango nanu na catholique nga déjà si na kota ki église de réveil donc nazaki déjà une église de réveil donc mon père a permetta ki yango ezala bongo. Alors c'est une sœur o ya koli vraiment na église catholique donc abane ko kende ba messe ta bango ya tongo moi j'allais. Lorsqu'elle s'est émancipée, elle a pris son chemin. Elle ne pouvait pas l'en éternuer parce que Dieu est unique. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Celui qui fait son choix a fait son choix. C'était un choix que je n'avais pas contesté, que je n'avais pas querellé. Elle a évolué. Et ce que j'ai trouvé en elle, c'est que lorsqu'elle était chez les catholiques, elle avait aussi la même ascension. Donc elle était très dynamique. Son bas âge, elle n'avait pas 11 ans, 12 ans, mais elle dirigeait déjà. Elle dirigeait déjà ses amis dans le quartier tout d'abord. Et très jeune, elle a commencé à diriger plusieurs quartiers. Malheureusement, nous avons quitté le quartier où nous habitions. Nous avons deux résidences. Nous avons une résidence à Matete, au quartier Maïndombe. Et nous avons quitté cette résidence pour venir à notre domicile, qui est en Gaba. Et c'est là où elle va embrasser les églises de réveil. Kombolanga, maman Joël, Joël Masikini. Naebie na Tiffany, tema naebie na Fanny. Tu sais qui naebie na Matete, na Maïndombe. Tu fais naebie na Maïndombe, na Matete. Et où Meli, pour te bandir naebie penza bon moi na, tu te yoko koma. Ba mikolo boy bango ba ke longa matete ba inanga ba pso to tika na matete pso pe umela kite to ke limete to e ba na kinaye la a partir a petit frère na ngai ba za kinaye na ba bateli na église catholique te azaki mutuma kasite pso azaki mutuma kasi benga ba pesa e responsabilité te ndenga koma ki coordinatrice ya CVB benga ba pesa e yango te lokola ba pesa ki yango c'est que azaki abande ko se comporter malam e banda ko sala nga esengo mingi po to abande ko sala la nzambe banda mukie ti lelo azo continuer ko sala la nzambe. Donc, ils ont ça là qui tourne ma casse. Bon, ils ont qui pété.
pour la difficulté pesali asa qui peut la difficulté monsieur basa qui est belé asa qui est mon côté au moins la montale biote bisoté baki na Fanny te baki na Tiffany te eh Fanny asa boy asa la bien te mais na molende azoya tabat bazo loba azoya kaka zosa la kaka musala nzambi kaka andimarate mkona monaka kotokuta na kana e azoya psanga bio ti le loja kan église catholique na sina longwa na bi ah olongwa yo mtoza ki ya baba teli olongwa église catholique bon apona ki nzela na e amonike place a kei akoza malam bon azaika kana baba teli tozaki ngala bandai koyemba na chorale wana eza mwa lisolo mukie me tofongoli onga bandai koyemba na chorale komisusu abite nga mpe funa kende na chorale na bino amemaki ye na chorale tellement azalaki voi ezalaki kitoko te deja abenganaki ye alobi ayaka lisusu chorale te bon akenda na ye mpe apart nini babateli na chorale alingaka kokota me dirigent lokola aboyaki abaki azalaki na voi malamu te aboyaka ye kozwa ye ti komema ye sikoyo azalaki nango mposa akoma eyaki facilité c'était vraiment difficile très difficile parce que chaque jour on était là travailler matin midi soir chaque jour donc après cela, nde nzamba yaki kosunga au moins ayaki pe kosimba oyo azalaki nango posa. Mais c'était pas facile, c'était vraiment difficile. Ok, na bana basi nyonso na encadré na musique na ngai oyo e marqué nga pa Tiffany eza que Tiffany était une fille vraiment bien organisée, azalaki na précision. Azalaki na volonté et puis azalaki na respect ya musala na yepe mutu oyo abande ko kambaye na musala donc est-ce que beaucoup ko s'imaginer que ndenge to kola na leki na nga boye nanu leki na nga adressant nga parole ya mabete na yebi ke tam sou batebele ba ondimate mais Dieu est là na musala na nzambe Yé moko pe place azali aza consciente que nanu eloko ane salamate. Ke leki tamzo sale loko moko boeto ayabo ya telemela vraiment ndenge na mona ba bana bande ko mususu ba sala kan ver bande ko na bango donc non na mona eloko ana te duana ndep na e sala ke sengo na ngai pe eloko e sala ka vraiment na ndimela ki bonzambe ya leki na nga yango wana. Oui, bonjour papa. Oui, bon gars, comme on a Léon Ganga, on a parolier Léon Ganga quoi. Léon Ganga. Bon, sœur Tiffany, a sa petite sœur, on a Koli na veni, na ebi ekutu banda kuta botami. Donc on a ebi banda bo bébé na memaye. Donc petite sœur na ebi donc a sa petite sœur na. Ya veni. Bon, tokola na petite sœur moi qui vraiment très donc a lo barater, a sa sérieuse donc façon na na tikala mon nana Tiffany te na veni aswana na moto et puis aza se comporter na fi moko boye afanda ka bien surtout na ba garçon na ba fille donc mais ko tambola te bazane ba camarade ti a vivarane mingi mingi na katcha lupangu mais approcha ka mingi mingi ba tout soko za na bien au poussani a rosola no bien mais comme on est na ba lupanga ba tout boye jamais aza vraiment ya ko kangama mingi na palais calme a lobarate maza bien na ba tout quoi. Bonjour, je suis Laetitia Lokwa. Je suis chanteuse, je fais la musique. Tiffany Mokwa, c'est ma sœur, je dirais. Tiffany Mokwa, c'est ma sœur, c'est une copine, c'est ma famille. Ça fait très longtemps. J'étais encore à l'université. Ça fait beaucoup de temps qu'on s'est connus. Non, Tiffany Mokwa, on s'est connus la musique, hein, je dirais. C'est pas la musique. Musique de Bani Sabiso, dans Oyemba quelque part. J'étais à la répétition. Abete la Eliso, Nanga, et puis elle est venue me voir. C'est là qu'on s'est connus. Tellement qu'elle est amoureuse de la musique aussi. Et voilà, c'est par là qu'on s'est connus. Musique de Bani Sabiso. Bon, d'abord, quand elle est venue me voir, je la connaissais pas.
et elle m'a vu chanter à l'ingaïnde na bandoa yemba. Elle n'a pas hésité comme toutes les filles pour moi, elle est venue vers moi à Lukinga. Elle me dit non, c'est pas là ndongo yemba kana ki dare besa pinga kutu yé pour naé humilité, vraiment pour naé humilité, ça rappelle son truc quoi. Il dit maestro, on a bien un maestro, ouais, puis là, maestro, comme tu es maestro. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connu. Et puis, voilà, bon, on est là, Tiffany. Et là, il s'appelle ça, on n'a pas de la simplicité, l'humilité, et attirer un vers Tiffany. Bon. Azaki, bien là, Moutonios. Bien là, Moutonios. Azaki, ma bien là, Moutouté. Non, na itika ya koeba ina makambo mabete, na itika koeba ina karaktera mabete. To azaki fille moko malamu. Te azaka abongo. Azaka abongo po na mona ki ba clip na television. Nazo mona yeko sala musala kaka ya na ntela nzambe. Azaka antenga zalaki. Oui, je connais madame Tiffany. Je la connais parce qu'on a étudié avec elle ensemble. Nous avons étudié avec elle à l'université de Kinshasa. On s'est connu parce qu'elle était étudiante dans la promotion où j'ai dirigé. J'étais chef de promotion. C'était nécessaire que je connaisse tout le monde. Mais elle, je la connaissais particulièrement parce qu'elle était abordable et elle était gentille avec nous. Dans l'auditoire, c'est une fille qui est intelligente. Elle s'est comportée bien. Elle s'est donnée au cours. Elle était régulière dans l'auditoire. En tout cas, elle était présente dans l'auditoire. Et lorsqu'il fallait faire quelque chose ou laisser faire passer quelque chose, elle le faisait comme il fallait. Côté négatif, Tiffany, Azalaki, moi c'est mon coup, bon, Azalaki un peu dur parce que souvent, la bande vous voyez un peu par rapport sérieux, bon, pas banning à Moussousou, pas quoi, non, Azalaki, ma cassi, pourquoi la bande à mi bali, va de l'eau, moi, en dégoine. Mais sinon, on a voulu lobby la police, vraiment, elle était sociale, elle était accueillante. Même si au Kirota là, même si dans quatre groupes, il y a un problème, ils ont passé. Mais, oui, Bandor, c'est là qui m'a battu parce que souvent, Bandor, il y a un peu de battre quoi. Moni battu, mon coboué, battu, mon coboué, il y a un peu de battre, moi, ma cambo, mon coboué, ma casse, mais il y a un autre penza, il y a un peu de battre. Non. Bon, si c'était si elle était de sexe masculin, je dirais qu'elle a su me copier. Elle m'a beaucoup copié. Elle est allée même au-delà de ça. C'est une femme de caractère. Lorsqu'elle prend un engagement dans un schéma, c'est difficile de lui la détourner. C'est difficile de la détourner. Ah, maestro, Renok Anissa, ma souvenir à moi trop. Et le rôle on a eu dans un signe de pané à fille Moro Abunda. Abundaka, Abu Sakamakas, Azana ba discipline à Moussala, Nandinga Moukete. Nazala marqué un peu na autorité nae, une fois na assistara, na répétition nae, bande ou dirige Bali, mais la mouna autorité na rigueur à Zagi Namo, Namo, et Kamusanga, la discipline à Moussala, à Lingi Moussala nae, wana makas. Ayant aussi servi le Seigneur dans la musique chrétienne depuis son jeune âge, aujourd'hui nous venons voir ici, toujours dans la commune d'Ongaba, un de ses poulains qu'elle a encadré dans la musique chrétienne, qui s'appelle Héritier. Et il va nous dire davantage. Suivez-moi et vous allez en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Ngakumonangai, le frère Héritier Nselé. C'est juste ça. La sœur Tiffany. Banani Kala, premièrement, ça vraiment maman Nangaï. Grâce à la sœur Fanny, il y a pour la musique, le nom ça là. C'est ça, grâce à la sœur Fanny, il y a pour la musique. Donc, tu es banani vraiment Kala. Aza, une sœur pour Nanga, maman vraiment, ou vraiment, a poussé la musique. C'est par là, il y a la sœur Fanny. Oh, ça fait longtemps, si je ne me trompe pas,
Nazakina nous en cinquième. Donc surtout celle qui a 6 ans déjà passé. 6 ans si je ne me trompe pas, 6 ans 7 ans. Et puis il y a la certifiée. Alinga Moussa ni Maraj. N'assistaye na basenae, tant qu'on presté, na l'église. Une fois tout à l'heure, on a un anniversaire, on a moins annoncé. L'église Moro a invité le canal Nanga parce que Zaki a mis Nanga Moro évangéliste et qu'on a basé un anniversaire l'église au Kenya a épaté la nouvelle mouchette. La personne qui a annoncé Moro, mais parce que Benga il va communier sur Moro Benga et ils avaient bien retiré là vraiment retiré là. Il y a moins d'un jour retenu. Bon, la sœur Fanny a la vie. Hein? Dans ce cas, je me sens que donc moto a la vie. Après, Sabino ben motion. Donc, ben motion, il y a un peu Sabino. A transmettre une motion. A table, qui pèse, vous avez n'a pas si à transmettre une motion. Ce qui m'a dit qui a pèse une motion. Donc, na sens où on a rôle, la sœur Fanny a dégagé ma rame belé. Je me sens que je suis dans le podium. Je sens que donc leader, moi, je suis na Nicolas Podium Azoyemba ou bien Azo leader ou bien Azotea na sens qu'on a un peu ça. Oui, Azaki capable parce que na kati ya répétition tant na bandeko kutika moment moko o mutu na mutu apesa ba idée sur musala to sala elle contribue beaucoup. Musomo na te kabilamba ye mama kingandi ya te kabilamba donc identité na ye peso ale ki alors mon dingue n'est moi plutôt comme un artiste. Pour nous, Tiffany, c'est vraiment une artiste. Tiffany, c'est qui mon corps va chanter. Elle peut pas ma mondiatrice, peut pas ma gagnante dame. Merci. Et là, quand ma carte m'a cassé, tout baga nyonso. Mais à mon tour, ils aient goyé mbanaï. Na façon non comme mondiaire, ça mondiation. Des fois, vous modérez. Des fois, elle chante. Dans la carte, il y a bien on a déjà l'adoration. Des fois, vous modérez. Ma peuple en Zambie, la présence en Zambie, la trône en Zambie. Et après, mon corps peut passer en découlinga mingi, mingo pointa, car tout à qui n'a si man église. Mais par la grâce de Dika Nebibi, que Dieu fait grâce à culver, et à joie qui grâce par ma ou en découlinga, dans ma modération chaque dimanche, culte adoration, et pas d'aki mon corps pointa qui n'a katuana. Bon, adoration n'a eka kalolé n'a kaosa la kaka n'a pas de pilsa en ma case. Tiffany, c'est mon ami, c'est une amie à moi de longue date. Ah, ça date de très longtemps, hein. Ça date de très longtemps, très longtemps. Ah, si j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle pas, ça date de très longtemps, très longtemps. Hein. 2000, ça date, 2006, je pense. Les qualités que je reconnais en Tiffany. Ce que je dirais, c'est que j'ai toujours aimé chez la fille, je pourrais dire la crainte de l'éternel, c'est une fille. Il y a beaucoup des atouts, des talents spirituels, j'irai parce que j'ai eu le temps de passer des très bons moments avec elle. Je partageais les instants les plus inoubliables dans ma vie. Vraiment, je partageais une même chambre avec elle. Non, je partageais une même chambre avec elle. Je pourrais dire avant d'abord tout ça, je suis bisounou vanesh panabango. Je fais 3 mois et loco et makanga le plus. Toutes les fois, on a vendu panabango, on a 3 mois. Elle ne dormait pas déjà dans le bétou. Elle passait la nuit par terre. Ce qui fait que toute la nuit, pendant la nuit, on a endormi. Il y en a juste à prier. C'est ça. Ce qui m'a beaucoup touchée en elle. C'est une fille, comment dirais-je, qui marche dans la crainte de l'éternel. C'est une fille qui marche conformément à la parole de Dieu. Ces moments où on a passé dans la présence de Dieu, il y en a plus. Des fois, au début, là, la manie, tu vois, quelqu'un passe 5 heures du temps, passe toute une journée dans la présence de Dieu. À quoi, bon, de la banda, muni, bokota, bola, liti, le matin. Elle prie, elle continue. Au Mali, il y avait langa, on a eu kayakine, des fois. Moi, je m'endormais, ok, de loin, elle prie. C'est ça, une qualité le plus faible. Ah, là, il y a un jour, Amikanga na chambre abondela abondela ezaki eskomi langa 3 reprises donc sugina ye oka azati azobondia azati azobondia yangwana la sake aza chrétien vraiment pona et puis côté spirituel elle aimait beaucoup prier, elle aimait beaucoup les prédications et puis azalaki chaque fois soit l'église bible na kozanga te kayi na ebiki na kozanga te. Oui, bonjour mon frère. OK.
Moi, je m'appelle Pasteur Gédéon Lumana. Je suis le pasteur responsable de l'église Christ et Roi, qui est sur l'avenue Lobo 74 dans la commune d'Engaba. Si je connais la sœur Tiffany, oui, je la connais. C'est une de mes filles que j'ai gagnée dans le Seigneur et elle est volée dans notre église. Donc je l'avais connue comme membre qui était venu dans notre église et elle a évolué avec nous et elle sert dans notre ministère. Au sein de l'église, comment est-ce que la sœur Tiffany a servi au sein de l'église? La sœur Tiffany a été une grande bénédiction et où elle est encore une grande bénédiction pour notre église. D'abord, premièrement, dans le domaine de la chanson. Donc, elle est une des chantres au sein de l'église. En dehors, n'est-ce pas, des chants, elle est compositeur, elle compose des chants qui édifient l'église et qui édifient le corps de Christ. En dehors de ça, elle est journaliste. De par l'entremise de son ministère de journalisme, elle prend souvent nos messages que nous prêchons dans cet endroit. Elle met ça dans sa chaîne, le Nazaréen. Elle publie ça dans le monde entier. Donc vraiment, elle est une très grande bénédiction pour nous. Le secret de sa réussite, c'est une sœur qui craint Dieu. C'est une sœur qui s'adonne plus aux jeûnes, veillées et prières. Donc c'est une personne qui se confie plus au Seigneur. Voilà pourquoi tout ce qu'elle fait réussit. Bon, pour moi, la vie de prière, on a commis au Nazaré, apporte-moi plus. Par contre, tu as une famille chrétienne, pas comme tellement. Elle a fait que naïe ba nzambe le makas pe na kumisa nzambe par rapport à la place où a tenga lelo ainsi as exemple makas pour nanga na vie où ya où non sala bon sa vie de prière hein? Sa vie de prière yango markanga makas par rapport ton abandi pour celle nzambe comme on était des chrétiens catholiques pour moi ton ensemble là toi que mon comme dérangement pas na bi sur na katanda toi ba no ensemble la sika toi mon dérangement même ton comme yemba sika toi ba que mon comme dérangement mais le lot n'a comprend ni nous avant que ça là alors et comme exemple mon makasi pas là. Bonjour mon frère, ouais merci comment on a et tonton évangéliste et Toms et meka suivant babi nga combattant de la foi via sœur Fanny ko kite kutong to sangani ana kata aye na biso na kata Christ roi et comme na moment moko alongwa ki pa na bon pa ba parents to bande ko passer na kata permanence et to passa ba moment a passi na ba prier na présence en Zambie to kinda pe ba luzizi la je sais na 2008 et na 2009 pardon na octobre to kinda na ba na luzizi la retraite c'est moko bo ezala ka 4 jours na Serge Gisèle na ingénieur Nixon et to passa ka to kinda ko pendant la nuit 23h to bunga na Zamba na luzizi la et na tout pendant la nuit la tabon li bosso bi sœur Fanny na sœur Gisèle boza li bosso pour peut-être mabe moyo ko comme la kimwenza vers 23h abisinga bi kombata yo za nzambite so nzamba permettre to kufa na yo pe ba oboma o nzamba sunga biso na luzizi la to kenda kati na destiné to koma pe to bondela et to lixa bata e belé na présence en Zambe na pasi na kuzanga na mikakatano et na ndingi lelo o pe nzambe azo sala na ndingi na dans le quartier de Bana et de Jamais, on n'est pas approché. Et que vous faites la question, comme ce que c'est comme mon église, il n'est pas approché à travers la grande soeur qui a présenté la soeur Tiffany, la petite soeur Naye. Et nous, comme ce que vous continuez ensemble, la vie chrétienne, tout le travail Naye. Et d'après moi, quoi, bâton d'or de GP, orchestre, ou les acteurs de coupe d'adoration, d'après moi, ma mondiatrice, puis dans le cadre de l'évangile, d'après moi, pour les évangiles, chaque temps, 5 heures de Bana, pour que ça me salle en Zambé. Les bisseurs qui s'accrochent, qui ont partagé, qui ont conseillé, qui ont conseillé, qui ont reloué, qui ont dans le lobby, qui ont reproché, qui ont reproché. Les gens qui ont ensemble, c'est Tiffany. Il y a des gens qui ont dit que ça va valer à la Kamakas. Mais il y a des gens qui ont dit que ça va valer à la Kamakas. Il y a des gens qui c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Et Nzambe wana a dit que ça va valer à Tiffany. Ou au moins, le loisir va valer à la mais le lien avec Tiffany, à la paix morte, au moins le bateau sans basal chrétien, mais de gauche à droite basalé, mais avec eux, ils étaient trop spirituels. Puis ils avaient une vie laco, ils avaient pas payé ça. Voilà pourquoi demeurer à s'accrocher quand on est là, ils avaient pas conseillé à pasteur, on a dit ça au bon moment, le sœur Tiffany Azali. Oui, oui, alors la prophétie est belle, elle a eu la promesse en Zambé belle, et belle, et belle. Mais on a eu le cas, on a eu le cas, ça va tant mieux, ça va.
Tifana nous a même été l'amba au lata. Ndika na bina debi aratika inzambete. Akende, c'est-à-dire akende na départage mongote, ateleka toujours nzambe. Nzambe a pesa bilaka, imwa beza fidèle et malobane, pour koki sango. Le yon awa bomo na Tifana nous a cause nzambe. Alese ba temps mongko très difficile, surtout etali abi. Tifana nous a même été l'amba au lata. Mais parmi ma bilaka, ma pesa ki ma promesse, on a ma pesa ki. Nandela papa abiso pasteur Paulin et l'homme a l'oubara netong osa en modération abiso na ebi koza parmi ba sœur ba ngola ta mingi baza ba vision mon kwa minene mais ba tant ozo lekisa baza mingi te ba ngola lekisa nzela oyo mais le kozo persévère continue ko persévérer mais onga na ebi soza kake na no lati to rolata nzamba ko kamisa yo ba do ba ko simbi ki simiza ki ste un jour nzamba ko se souvenir na ko fixer regard ni envers yo à repenser puis une ba vision yo linga ba guyo linga wana na no salon te mo salon mais yeba ki bila ko nzamba la kio ba ko mon no monde anti ba ko ka mo yo mais esa lo lendo te mais esa to ko ma témoignage pour ko ma mon ko oyo ko za exemplaire na vie chrétienne de Miolanda et sera s'accrocha ki ndeka na début a wati ka nzambe te et le to mon ngwe latin zoto qui veut dire nzamba lo ba ko kisango autant marqué. Mais qui t'a nommé tout de mes récats, tout à fidèle et panaï, il n'est pas autant sa fidélité. Si Fanny a dit mon corps européen, à colimé vraiment pas papa vraiment t'es. Via tes familles, c'est car ils sont mis dans l'église, pour là dans l'église. Mais il y a bien des alliés qui en est pour eux qui va conseiller. N'en a pas de mon corps, mais pas tout en dehors conseiller, n'en a pas la carte. Et je les conseille beaucoup, non plus ma conseil, même ma prophétie, même ma message pour finir sur notre dans l'église. Mon enfant conseiller, en ce moment, ah, il y a donc cas. Tala kutubu ya dokas tala boy tala boy na bikama kana nzambe lo nga na yebitue une servante nzambo tumbo la yo tala vino ndenge ezala en sumwa meme atelo ka olia zo zanga me ya bien ando se pa na sœur wana azaye ki na ye complexité ya bien po ayeba ki nzambo ya banda ko sela eloko za rabe fo ba muto zo servir ayeba ki nzambo zo servir le ko za ki fidèle pe ba conseil ya ba sala nzambe nde sali tifanya ko malelo to lesse ba temps difficile ebele. Mais il y a bien d'autres qui ont des conseils. Bon, comme on a ya Tifani, n'a bien eu les lotes. Pour ceux qui n'ont pas eu les lotes, ils sont tous ensemble. Ils sont dans la vérité, dans la part à Seigneur. Comme on a ya sœur Tifani, et bandit dans nos bandakala. Donc avant, on a banana nous causalana nous comportement d'abord les acquis à mutumuka c'est respectable là bonbon et puis tous alana déjà zala sur solen dos senti que non fio déjà alors déjà chrétien donc alana donc hier pour naie donc alana est dans la ligne ouana alana est dans la ligne ouana bien zila naie Tifani une fille exemplaire je dirais oui. Parce que actuellement c'est je sais que c'est qui est vrai, ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas vu. On s'est pas vu parce que bon, les années passent, les responsabilités augmentent, chacun évolue dans son coin. Mais bon, c'est qui est vrai, je sais qu'elle sert le Seigneur maintenant. Et je dirais qu'elle est exemplaire, je la suis de loin. De loin, c'est qu'elle fait son parcours avec le Seigneur, sa marche avec le Seigneur. Son évolution, donc je pourrais dire que je suis très fier d'elle. Je suis très fier d'elle. Donc voilà un peu. Oh, pour toi, un auditoire, Azaki vraiment cascadeur dans Nenga Moutchete. Azaki coule dans Moutounion sort. Assurera bien dans Moutounion sort. D'ailleurs, et belé dans cet auditoire, Vanderoye batte vraiment identité naïe. Parce que Azaki gentil, Assurera dans Moutounion sort. Parce que là, vous comprenez l'identité nette. Là, tu es belle, tu vas découvrir un peu à la servante en Zambé, vous voyez bien Zambé. Au moment où je suis là, je suis clip, je suis lancé dans la télévision. Et je vais découvrir, je vais par curiosité, je vais tourner. Il y a des gens qui vont découvrir. Je vais 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 découvrir. Ma souvenir n'est pas bien. Oyo, moi la kanga n'a retenu pas naé. Quand tout mon ami, Luca a branché nganano, a branché nganano dans l'église où nous sommes venus pour dans la pasteur, nous sommes toi Ivan et Nabango. Luca là nous a connecté nganabango. Après avoir connecté nganabango,
ame manga na église musuna lemba una eba ki bakambi wana te ya bande ku prester ma souvenir est tellement ébélé na ba rencontre na biso tout ça qui na ngomene. Voilà, à part ça et pas naye mbala liboso manager ya na musala na nga izaki na nzela na ye, donc yende mutayela nga manager ya musala na nga quoi. Donc voilà, vraiment ba souvenir est ébélé 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 ébélé. Bon, na bana na nyonso na banza ki teme, j'avais au moins l'idée sur elle que avec sa volonté un jour elle peut retenir Oyazoluka, donc c'est-à-dire kokende musika pe kokende liboso ko ape ko sa l'honneur na ngai. Et voilà le lo oyo tozo mona ngo pe na miso eloko elakisa ki yango ezali premièrement azaki na bon na éviter façon na ko expliquer volonté azaki na parce que elle était une fille, c'est ma toute première fois na carrière na ngana zwa une fille o azaki vraiment courageuse, premièrement courageuse, et puis azaki na na détermination na musala banda usala soko pesi loko ata okokate il faut sala ka nyonso kokanga donc soko kokita otikate ndeza ba tumusoso mona ameka kokite boya lenu bia a sengi ba pesa ba tumusoso na yi banda ko tinga makaka koka. Alors des choses comme ça, ça me disait toujours cette fille ici elle ira trop loin. Les actes marquants, elle a posé beaucoup d'actes au sein de notre ministère, même au sein de mon bureau. À côté là, il y a même le pendule qui est dans le bureau, c'est elle qui a déposé ça. Et elle a déposé aussi beaucoup de choses au sein de l'église, comme des chaises. Et elle a organisé aussi des journées de louanges, d'adoration pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est une sœur qui marque souvent nos cœurs. J'ai l'habitude de la bénir parce que c'est d'abord une fille qui est obéissante, une fille qui se confie également à moi, une fille également qui est une bénédiction pour nous. Donc elle pose des actes qui touchent nos cœurs. Voilà pourquoi à tout moment, nous pensons la bénir pour qu'elle aille de l'avant. Parce que si elle va de l'avant, nous croyons que cela, ça sera une bénédiction pour notre ministère. D'abord, Madame Tiffany, c'est une fille qui est d'abord gentille. Envers ses amis, elle était doux, calme, posée, parce que je ne voyais pas, elle n'avait pas de pont avec les gens dans l'auditoire. Mon emploi avec ses amis, elle avait un comportement qui était exemplaire pour moi. C'est une fille que j'appréciais beaucoup parmi tant dans l'auditoire, parmi tant de filles qui étaient dans la promotion. Du côté positif, je dirais que c'est une fille qui aime travailler. Elle se donnait au cours, elle étudiait, elle présentait ses interrogations, ses examens, ses TP. Elle travaillait, elle ne voulait jamais échouer dans ce qu'elle faisait. Puis c'est une fille qui pardonne facilement. Et à chaque fois qu'on a eu la cause à la Naïmingi Mingi, c'était comment je pourrais dire, beaucoup d'avoir vendu dans le balai, tu peux te fâcher. Aussi dit que Tiffany, quand tu es montée, quand tu es fâchée, elle s'était toujours, elle garde son silence, elle garde son calme. C'est une fille qui a gardé plus le calme, le silence. Quand on remarque que non, Moninga ou quelqu'un d'autre a monté, il y a Okita, avant de Kimi. Et puis, c'est une fille qui pardonne facilement. Anna Clément Souana, Anna Indulgence Souana, c'est une fille qui pardonne facilement. Et puis, elle aussi a pardon, c'est ça. Ok, Tiffany, na ba caractère, il y a malam ou non, nous n'avons pas le bas. C'est ça qu'elle me respectait beaucoup, même ses amis. Même ses collègues du travail, ou bien ça, nous allons ici comme encore Romain Raki n'a respect ma casse contre Bango, et puis Azala qui social au solo là nous tournions sur bien Bande Kubo ya Mabe Azala qui pendant la bolingo ya Batunyo, elle contribuait aussi beaucoup. C'est une fille d'abord éduquée, elle est responsable. À ça là, ce qu'on sait les locaux, elle fait ça avec tout son cœur. Nga silika, nga sala siliki nga wala silika. Hier, azale wana kapuno kitsabisa ce sono. Si si amoni, c'est déjà une famille. Ko silika boza bien té. Donc en nous on s'habille toujours. Pour nga en nord bas c'est ana sens ya bon maman quoi.
un sens à bon maman. Dans un sens au sanguissa, un sens à famille. Dans le commandant marquant plus pas la tête, un silly qui n'est pas silly, qui est bien LL. Il y avait un LL. LL. Ah, il y a des gens déjà famille. Il y a déjà famille. Il y avait un LL. LL. LL, je veux te voir. Il y avait déjà un monde, on n'a pas conseillé un habit. Non, j'ai pas le temps. LL, non, je veux te voir. Vraiment, il faut qu'on parle. C'est la famille. Il faut tout seul. La famille, c'est. Là, j'ai pas le temps. Moi, on a maintenant un monde. Oh, il y a un non, il y a un LL. Ils ont famille, surtout des bannis bottines, normalement ils sont en plus on est des chrétiens. Il y a là, tout le monde ensemble là, tout le monde trop. Donc voilà. Et le bandeau marqué en plus panaé, sans soigner à bon maman et puis il y a responsabilité. Il y a un des marqués en plus panaé. Koswana c'est trop. Koswana c'est trop. Toswana t'es. Moi la Tiffany, tout ce qu'on a reçu, on n'a même pas une fois. Mais. Bah, mes attentes, quand bah, lobby, et puis ça, l'indifférence, moi, et Chebisou Moussika, mais après, c'est toujours elle qui vient. C'est toujours elle, Dayaka. C'est toujours elle, donc c'est une fille bien pour Nanga. N'habite, les ateliers, mais pour Nanga, c'est une fille bien. Cinq de ses qualités. Donc, je dirais que Tiffany pardonne facilement. Elle pardonne facilement. Elle a un grand cœur, elle est accueillante, elle n'est pas rancunière. Tiffany, comme on peut dire, elle a le sens de l'hospitalier, donc elle est hospitalière, donc elle sait venir en aide à une personne qui est dans le besoin. Donc voilà un peu. Il y a plusieurs qualités, mais bon. Je pense que je peux me limiter à ça, voilà. C'est une fille qui se retire facilement face aux obstacles. On a quoi le bas? Elle est comment? Déjà, elle ne supporte, elle n'est pas problématique. C'est pas une fille à problème. Déjà, c'est pas une fille à problème. Du fait que c'est pas une fille à problème, soit dans lequel les problèmes, elle se retire. Elle n'affronte pas ça, s'affronte à rater des arabes. Il faut chercher à savoir c'est quoi les mobiles, c'était quoi la cause, c'était quoi les bandits, comment, quoi faire. Elle se retire. Elle ne supporte pas de problème. Elle supporte à Marambouti, elle se retire à Naé. Elle ne provoquait pas. Panangwana ko seka pe mingi. Minka kote ya batu ko seka. Nan ko yemba mi rovane boe. Bo soye me mo ya zane ka koncentre ka nan yemba. Ma kalte na bien mon ki angwana. Bon, eloko ya malam nga na kangé pa naé na port ya service nga ya musala. Déjà, na kenda ote kané nzembo. Ton alo banda musala ya musique. Alaki chanteuse mon bande ko utiliser ton na sai nzembo ikia yem ta za ko interpréter mais ton na sai nzembo ya vé chinois pona nini pas si abo ya vé chinois to kina na pas ko folo mide to yem to yem ba penze mo na masa na mo ale bon souvenir na na ngwa ngwa na donc na musala ya a contribuer na musala na artistique ya artiste quoi bon wana za li solo mo to beta ngo pena bien jour to sa na bien émission wo izan ngaka passe en passant quoi donc na pc ka mbote pas ça ça. La linga ka mingi tozala na e pa balokwa kanza na baleke ba vena solo kwa kanza ba Leticia lokwa ba ebi non de ntu banda ko travailler na Tiffany donc makambo lo bebe to sala ngwa la prochaine émission on a expliqué bino pena wana les émissions nanga na ko tali sa bino ndena za mais bwe ba ke nzembo o ya ik ya vieux chinois muto ayemba ka ngoto na kenda otekela ko fiza sœur Tiffany ne bonjour pas bon. D'abord, il y a un lingate parce qu'il y a un qui est branché dans la musique religieuse. Donc, il y a un lingate dans la musique religieuse. Mais, dans la Fox, il y a un habité aux artistes. Les artistes sont dans la frontière. Donc, il faut que tu aies un peu de temps. C'est vraiment trop difficile. Donc, papa, tu as un lingate pour permettre. Mais, par sentiment, quand tu es papa, tu as un peu de temps. 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 Vraiment à pataki nga era embagi nzema donc pataki nga na ba vocal muso a sala na ba yino il faut rendre le comme na mbisa e ti de na ko mbisa donc makamba le bese bele mo man ko expliquer pene bele mais quand même na kenda ki na che pas ko fuje na nga la pc mbote ni grand mo pao de via ka mo je vio a l'équipe tout tout na musique a kongone na lobaka ils a vie na nga na vie ko solo mide mona ti na fani na lupa na e petit tier na bisone a interpréter nzema na ya. Il y a vieux chinois. Caractère Yamabe, ils ont vraiment témé. On a la canne à la sœur Fanny, ça qui est assis comme moi trop. Assis comme moi trop, mais après que si canne, à bout de l'année, il y a un peu à sa maman. On a la canne à panier en voilà. Ma défaut, on a vu Kanda. Allez, sois vite, sois petit, comme c'est le mot ma belle, on s'appelle Kanda. Et Kanda est défendu pour que tu aies un peu de salade. Non, ça, il faut souhaiter.
est-ce que donc asbo été point nini boya le bible point nini mais ce qu'au conseiller kaka au vendre ce PC conseiller bien prendre royoka mais ma bien ma casse des fois avec akanda elle était un peu très renfermée et puis un peu colérique, donc voilà un peu ses quelques défauts. Na yeba lisu lisolo moko betema na mona ke na batir bilance te ezali na jour moko boye je crois ala ki na ba 10 ans na kamwa na mona na tir bilance moko boye mais jour ngo je me rappelle na pesaka punition moko punition ya moto donc na fandi sake na moto mais moi na ndenga tokaki donc na sepela vraiment na sœur na nga mingi na batitide na ye. Ouais. Fanny Afiré. Alors, Afiré, il y a 6 ans, à côté première année primaire. Ce qui a été, il y a eu un primaire, il y a primaire, il y a eu l'alcool, il y a eu la classe d'alcool, il y a eu la maternelle, il y a eu la mort, il y a eu la. Un jour dans la campagne, aïe, 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 l'orange a tout cassé. Alors hier, azo ko boye mbata bandi koloba. Tolanda tout cassé, ABCD, tolanda tout cassé. Alors to bandu benka afire dance. OK. Bon, le solo na ko nazana nga famille tant au ko la naye. C'est juste que nazana damu e bukana na minu, ala minu e bukana wana. Donc minu wana un peu de dispute en famille. Ne tous allez dans mon cas car bana tante na bana na biso ne causez que à perdre l'une ou à la probabilité qu'elle ne couvre pas mon bala tante na biso. Donc c'est juste que les amours histoire mon na van na grand raison. C'est une sœur, le caractère de sœur Tiffany au sein de l'église, c'est une sœur qui est sociable. Elle sait vivre avec tout le monde, elle partage avec tout le monde. Ce que j'ai comme conseil à prodiguer à Tiffany, de rester humble. De rester humble malgré tout ce que Dieu pourra faire dans sa vie. Et le conseil encore que je pourrais la prodiguer, c'est qu'elle marche, qu'elle continue à marcher dans la crainte de Dieu qu'elle a et dans l'esprit de sacrifice, dans l'esprit de veiller, de jeûne, de veiller et prier. C'est ainsi que la gloire de Dieu se manifestera davantage dans sa vie. Bon, et ça n'a pas eu un impact parce que c'est étonnant. Nga naza mboka mupaya. Naye kozwa correspondance naye par Facebook. Alors par Facebook, na remarqué que na komi ko landa be mission naye o ya sala ka partir ya mboka place azali. Et loko ka mwise kingezani ni question na natu naye yango même. Natu naye est-ce que ba batu o yambaka parce que na remarqué ça be mission mingi na ba bandoki omuna mutu azalaki ndoki omuna mutu musuta muso aza vraiment ndoki ti lelo mais ye il faut a interviewer ye donc ezaki likamo ya kokamwa donc ko solola na bato ndengo wana koluka mutu asala témoignage abimisa Satan faible pe abimisa Nzambe victorieux donc ezeloko marquant ou impactant makasi la vie chrétienne ya lekinangai et ça vraiment yango surtout yango bon ndenge na yoka papa na biso alobaka papa na biso alobaka koko na biso ya mwasi azalaki une grande chantre donc abane ko yemba na ba matanga na ba mboka na bangonde bazalaki mais à part ça papa na biso fi musicien avant no beta musique na yo babenga lelo musique profane. Mais ngamoko lisu grand frère naye, je suis musicien chrétien, donc j'ai commencé na groupe moko ya matete les chandeliers d'or, où nous avons vraiment chanté et pour l'Éternel pesa les singomingi. Donc eza don moko uta na famille. Bon, kosimbeloko. Nayebi fi ya batu vraiment te même kota la le ki nanga ndenga zalaka nandimite ka simbe loko
namona ke impossible parce que soka simbaki alinga kaza na niveau wazana ngwana te. Donc nanu namone loko anate même na famille na biso eza ba biloko non namona te. Donc eza facile nga na musel na nzambe. Soki mutazo sela nzamba lokuta eza facile na yeba. Donc na ndimite ke gabiloko abongwe ekozala na kata vinae. Non. Donc je confirme que les qui n'engagent mon seul nanzambe ya solo. Bah oh ya lokuta, oh yo bah meka yepe. Bah kuta na bah makam na bango. Bah on bah yebo comprendre nani aza nanzambe nani aza nanzambe te. Ngai chrétien salaka nga bien makasi na sepelaka mingi kota la nenge bazo ba mama banga memanga anezo kweya te. Salaka moi sengo makasi. Premièrement na souhaiter joyeux anniversaire. Qui n'a rien à l'inga comme mingi, les loli soussou, n'a qu'à l'issue ce événement pour moi, n'a donc et ça l'inga bien ma casse. Donc, nzamba batte la yo, surtout dans moussalo aux osala, nzamba pèse encore beaucoup plus de vision, surtout ya woyeba, basel nanzambe nini aux o côtoyer, parce que mingi te bazin nzambe. Mukende baza nzambe surtout bato to le kakabango inaperçu bango no kama baza vraiment nzambe ba mingi oto mona kawana boe déjà très très élevé na to kantsata msu bango ne baza nzambe tamso remarqué ba nzamba ebi bango ata mukete. Donc fais beaucoup plus attention na ba makamba. Donc conseil non peso parce que msala nao eza lié na bat na nzambe. Donc il faut yeba kopona basel na nzambe oya solo nzambe vraiment pesa au grâce wana asungona ko sala choix ya bien pour na basel na nzambe u banda ko approcher. Bon conseil familial na ibi ke sœur na ngaza mutabo lingo makasi na lingi vraiment bolingo ozala nango pour na famille okoli sango lisusu surtout bolingo ozala kanango pour na papa na biso boye boye bi wana za l'être cher afin na biso tam mulai alaxi biso bola mu mingi. Donc il faut to linga mingi. Donc conseil familial na pesa toza toujours ini toza toujours na bolingo makasi ninge to mesana nde to kolela kwa conseil na pesa e awa alandi nzela azaka na kata ya nzela nzambe. Nzela nzambe ezaka lokumte batombola ma pekate. Pour vous aller humble pour mon tambende à tombola yo ce qui au mi matisi au kokita. Donc conseil on a la ko pesa e azala humble na mtu nyoso ezate ke lokola komi mosali na tambe akomi na ba activité mususu ezake a monikete nga awa penza donc na komi kaka ngai. Donc comme kitisa et les kinyos. Oui, bon, na kinyo on a formé plus de 70 musiciens. On a formé na kin baza et belé vraiment et belé. Nous sous bazo imba la cité Bethel, nous sous bazo imba vraiment ici kamingi. Oui, on a formé na église voire même na voyage même mingi libanda mboka nde mutu na meki mwa mukinza ba asuninga mwa mukina beneficier bele mais awa na kin sokeza na muto nga na beneficier na musala na ye depuis na forma ye za Tiffany. Pona nini bonga na yebite wana ye monde mutako yiko pesa réponse nango mais oya nga esengo na ngiza parce que aza musicien liboso aya ko lukanga sika na zalaka aye na mbongo a pesa nga bi papa tala mbongo musala na nga yango yo béni moi prie pour moi. Et j'ai pris l'argent, je l'ai mangé et j'ai déclaré des choses sur la serre. Donc c'est ma toute première fois na kin awa musicien à la reconnaissance et puis à pousser na koya au sala signe à reconnaissance et pas nanga ce n'est que la certifanie. Mais sous baya ka tukuta na bango to se kaka to sololaka mais muto pena sala geste ya kubimisa quelque chose ko pesa. Ndenge moi sur la femme vevo ya salaka et pas mosali na nzambe ezaka la sœur Tiffany. Donc voilà bon conseil oyo na koyi ko pesa ye etant que papa na ye encadreur na ye mutu oyo ya banda ki vraiment ko pesa goût ya musala wana ezaki na musala oyo ya liboso atala nanu nani oyo ya salela
salé la mukilita salé la nzambe. Alors tant que je salé la nzambe, c'est-à-dire qu'on vient dans nos bien-être parce que yango ya kasima. Parce que la Bible dit cherchons d'abord les royaumes des cieux. Donc il y a liboso à lukanan bokonzi à likolo et puis nous sous soit netikalisima. Conseil ami bali na koupe ça y est. Au cas que ça n'a pas connu, c'est que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. En tout cas, azana komi kitsa ma classe na musala o azali ko sala et puis a ponati azana ko kabolate ke non so ko kende fona kende ka isi kabote mutunyos o azana posa na asala musala a se présenter asala musala wana. En tout cas, merci beaucoup pour la question, les a bien. Ce qui nzembo ezao na ko ki ko comme ka yembe la ezaka nzembo ya liboso. Oye, abanda koyemba, oye salake, ebi misaye na TV, bamona e ayemba na studio, je crois, ayebi nzembo na très bien. Kombo na mweza Valère ya mwasi. Eza nzembo vuma lingaki makasi penza. Batu mingi pe wadoka nza on nzembo na e. Asenga ngapi banzela, abeta ngo, parsi parla, abanda ko benga e. Voilà. Na bekole na bopito ma société m'église moi si père sana motuya e moi si père sana valeur moi si père sana tine Tiffany père sana motuya e atali lo mukura bota mana yo la baba na yo na lo vio sana valeur ataba boyote Mama nanga koli la kati, toza na tande la grâce. Voyo moi si père sur la ka église. Moi si père tombo la ministère. Ataba boyo sala, tunanga na yebisa yo mama yeye. Tunanga na yebisa yo e, oza montu yande partout. Nanako moi si père sur la gane mo valye. Moi si père bon koloba na 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 na. Moi si père bongi sandako ngai nakoloba ki serla azali na ba promesse o nzamba lobaka nai tema arumelemi na présence en nzambi asalela ki nzambi na beglise nyoso o alika atika ba archive ba prince na mungongo nai e koyani na kata communauté oyo azwe pina temps ya ko kopesa le meilleur o nzamba tsakati nai ya ko yembela nzambi a des fois ozanga bilamba kolata a des fois osanga bilamba kolata a des fois ya koliza te e na ba passion nzambi komaki na moma osenge nzambi afuta yi lelo o nzambi afute ponanga na ekokolikela ngati na moniki ezata remuneration za ma remunere bon Tiffany za kami alaye vraiment mi plus que même inami parce que toujours na e tembele ton na e bien na e découvrir ki a e mbaka. Alors le roi là, très sensible là bas il dit. Alors on a s'intéressé à qui naie. Maintenant on a découvert rien bien. Est-ce que c'est vrai il m'a pas. Et ni la première vous l'avez assisté au landelaie. Alors tout comment est vraiment bah pire. À travers rien. La comment vous savez comme sous naturel on commente à travers la carrière en musique. À mes moments on va répéter on est musclé soit que là où répéter là bas ma tadi qui bat là qu'on a. Au contraire, au contraire, moi, je suis un homme qui a été battu. Là, je suis vraiment un homme qui a été battu. Une relation avec ma classe. Mais voilà, maestro, vraiment maestro, la route à maé. D'ailleurs, n'a été pour question à l'écoute, je regrette que tant que je suis un peu négligé, je suis un peu par la côté de ma journaliste, je suis informé. Alors, je ne suis pas ici à l'université pour la monnaie qui a été émission sur l'artiste et sur
artiste au peuple ibania à l'accent à moi bah image ouana mais là vraiment pour tout on a la monnaie aussi ma fille il faut tika la lundi mot ou à maïsou a vraiment moué bien d'un bon il m'a coupé sa petite panier sur la naraï n'a pas mis ça et à la langue patiente Moussalo et Zala Moussala Batoutéza Moussala Nzam Moussala Nzam Zalola Moussala Mokilité Moussala Nzam Zam Bende Moutato Moulara Na moment où il moko Ali Na oué Bissaye Na Ebi Katangi Na Ebi Kaza Politologue Mais Moutola Naralan Zela Moko Pounanga Na Nengi Na Mounaï Na profondeur na ndenga sunga ba na banze mbona ya kocha na profondeur ngana ko souhaiter a jwa ka linye wana linye ne artistique atika ngote ba o nyoso pe oza mpanzi mpanzi azo sala wana eza na ngoka lo ba comprendre ba complément mais atika la ka na linye na musique ok ne musika soko bungisa elo wana ta ok ne vraiment musika peut-être lobby ndenge to lobby la ba lor to lobby la ba Sœur Nabiso Atika Biso Misamu, parfois l'obi ton l'obi la sœur Tiffany na RDC Mobimba, pourquoi pas dans le monde entier? Oui, je sais qu'elle était, elle est chrétienne, parce qu'elle me parlait tout le temps de son groupe pour là où elle chantait. Elle était une chante, et elle me parlait qu'elle allait sortir son album, elle était en studio, et elle était dans ce domaine-là, c'est la musique chrétienne bien sûr. Comme conseil, je vais la demander de rester telle qu'elle était, exemplaire, doux, calme, assidue au travail, qu'elle travaille longtemps et qu'elle soit calme. Dieu va faire des grandes choses en elle. Elle ira de l'avant parce que je sais qu'elle est tenace, elle fait bien son travail et elle est intelligente. Je suis sûr et certain qu'elle va s'en sortir dans ce domaine, je pense. Non, je pense qu'elle était, elle avait un niveau qu'il fallait. Elle faisait de bonnes notes, parce que depuis qu'on sait qu'on est là, jamais repris l'année. Vu que nous étions dans une promotion où il fallait être à la hauteur, elle l'était. Elle faisait de bonnes notes, elle réussissait chaque année. Et elle a fait de bons pourcentages à la fin de son cursus universitaire. Je pense qu'elle était meilleure pour moi, parmi les filles que j'avais dans l'auditoire. Qu'est-ce qu'elle aimait beaucoup? Vous savez, on se voyait beaucoup plus dans l'auditoire. Il y a certaines choses qu'on peut, ou certains comportements qu'on peut mettre dans l'auditoire et en dehors de l'auditoire, on ne sait pas les montrer. Ce que je sais, pour le temps que j'ai eu à passer avec elle dans l'auditoire, je sais qu'elle aimait beaucoup ses études. Elle était chrétienne, ce qui est vrai. Elle s'est comportée comme il faut. Elle s'est donnée beaucoup plus aux études et après les études, elle partait s'est confiée en Dieu en faisant ce qu'elle produisait comme chansons, ses concerts. Je me rappelle une fois, elle m'a donné une invitation que j'étais parti répondre d'ailleurs pour ses concerts quelque part. Je pense qu'à part ça, je la voyais beaucoup plus dans ça. Les études et servir Dieu, c'est ce que je voyais moi, ce qu'elle faisait. Bon. Tiffany, étant que une sœur, amie, si on a un concert en plus à eux, l'ongola kobanga, l'ongola doute. J'espère, tant au niveau de Mataka, tant on a un peu de baki samara, tant on a un peu de pambola, l'obstacle est comme rappelé à niveau, il y a bénédiction. Tiens bon, comme toujours. Zalayo, qu'on change été, qu'on a fierté, qu'on m'a fait fierté. Et là, qu'on est qui humilité, ça te souhaite le coupé. Et ça, là, qu'on a les lunes à la parmi ma camarade Nayo, au Lingaka, au Pé, à Lingayo. Et ça, humilité, wana. Et puis, qui bon moto, wana, pour tout le monde, dans le sens, ça bon moto, te baba nyama. Qui bon moto, wana, qu'on a un souci à battre mon sousso, qu'on a un souci à sanguissa. Non. Continuez, bongo. Bosse dur comme d'hab. Et que les gens disent ou quoi, bah toi, bah pour toi, mais ça dans le bas. Continuez à bosser. Ou ça là, ils appellent la basse, pour la mi bali karaté, ils appellent pour la basse. Basse va tomber en boca. Les lotos lobby au coup non.
bobeta ni solo na biso poto bando fana to bando beta ma solo ke lobi to za batu ni nzelango yango e bandi to ane e bandeli to landa donc salam sana yo nzamba kuzala wana po lobi to liaka na mutoki na yo. Comme tu le sers, tu es une servante de Dieu, je sais que Nzambe wana a fidèle. En Sumayo, en Laksaonzela, et l'Oni en Sala. Garde ton toit. Zala Garayo, Dumo Zalarayo, que changer t'es. Et moi, je te porte dans mon cœur. Et je te porterai toujours dans mon cœur, comme toujours. Tout le monde en a, tout le monde en a été. Mami Sala, et Sala Nyansu, et Sala Mé. Tu es toujours dans mon cœur, tu es ma soeur. Et moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je t'aime beaucoup. C'est un bon chemin qu'il a choisi. Et servir le Seigneur. Parce que c'est le seul chemin que nous tous nous voulons. Fanny, elle continue à servir l'Éternel parce que c'est lui qui peut lui donner tout ce qu'elle veut. Pour Tiffany, je dirais d'abord c'est une sœur qui fait ma fierté. Elle fait ma fierté parce que elle m'a toujours considéré. Elle a beaucoup d'estime pour moi, beaucoup d'estime pour moi. Comme conseil, je pourrais lui dire de persévérer sur cette voie. Elle a choisi de servir le Seigneur. Servir le Seigneur n'a jamais été une vie qu'en rose. Il y a des moments de douleur, il y a des moments où il y a des épreuves, il y a des moments où il y a, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, j'ai appris à vivre dans la disette, dans l'abondance, dans la souffrance, dans la misère, dans les temps d'épreuve, quand tout ne marche pas. Donc, en tant que servante de l'Éternel, je sais que par rapport à son métier, et surtout qu'elle est une femme, bah, sûrement elle est confrontée à beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, je dirais qu'elle soit persévérante et surtout qu'elle reste focalisée sur son objectif, focalisée sur Dieu, Dieu qui sait là où elle doit arriver. Donc que Dieu l'accompagne. Ma plus grande peur, bon, je dirais pas peur, je pourrais dire inquiétude, c'est que c'est un métier assez complexe, surtout pour une femme. Une femme, parce que déjà qu'elle passe à la télé, déjà qu'elle côtoie certaines personnalités, certaines personnes, elle est très exposée. Je prie que le Seigneur la garde les deux pieds sur terre. Voilà. Merci. Mais leur cause matérielle, à cause y a souci à cette présent, mingi ba leki ba kemu panzi. Mais Tiffany concernant non peu sur psychosocial landanga, je suis ta sœur, n'aimi koyo kakanga. Et malgré tout, tant au monde la terre, malgré le niveau commis, je te dis que toi landanga nzambo a salué wana, parce que un jour pour ça la biso, parce qu'il est le maître des temps de toutes circonstances. Et concernant un peu sur amoutoué non linka au kamana nzambi. Yo simba ikaka kokota no bonganga te kamaka na nzama za plus ke banganga au sa le susu mutu kati na bato comme conseil ngwana gaza mama Tiffany na sepel penza makasi na sepel nzambe na batelie nzambe penza pese nguya nyoso azali mo santo asunga eta nyoso azana ile mo santo na sepel makasi na mbota mana ye anniversaire na ina sepel nzambe penza abatele makasi anniversaire salati azala koko asimba ba koko na ye na sepel makasi merci donc conseil bien ngana ko pesa ye kaka
a bossa na famille, a bossa na société, a pouvoir de quoi que azala ki mwana ya bien que ya yangaba avant mingi na matete. Donc il faut la xara bisika azali po la xara pe na batu nini o yazala bato ya vivant na bango. Donc fois azala et parce que ala xara batu ke yazaka ingratitude na famille vis-à-vis ya batu nyoso bazala na malam ya ba jour mso azola ka monanga pa benga nga vie nga me nga ka te na vie na ye venez bazé belé ba famille ba tout bazala. Donc il faut azana bango ka malam a continuer po a sa vie déjà tremplé ya kozala célèbre. Joyeux anniversaire à Fanny. C'est le 13-11 mois. Okay. Joyeux anniversaire, que le Seigneur lui accomple beaucoup de choses. S'il faut qu'au conseiller, je lui dirai qu'elle fasse ça, ça la rame. Ah, affrontera ma camboye, bakazanini. Ah, se retirera trop tôt. Il y a des choses qu'on n'évite pas. Bah, se retirera tant que nous sommes en vie. Bah, promet Rosalara affrontera en haut. Ah, qu'il n'a jusqu'au bout. Mais c'est une fille qui se retire trop. Son premier, elle se retire, elle se retire. Elle vite, elle ne change pas à Koloukoua, c'était comment, tout et tout, elle s'y retire. Aban aura trop, donc, à face à la face, n'a pas la réalité à vie. Out alors. Est-ce que je pourrais lui dire, comme un conseil à lui prodiguer? Waouh! Je peux dire quoi? Je lui dirais que vraiment je l'aime bien, je lui porterai toujours dans mon cœur. Tiffany, je t'aime de tout mon cœur, tu le sais très bien. Que je te le dise ou pas, tu le sais. Je te dirais seulement que tu continues dans la crainte de l'Éternel, que tu persévères dans la crainte de l'Éternel, que tu continues à progresser dans Moussa et dans Zambé. Et je te souhaiterais toutes les bonnes choses, quoi. Les meilleures choses, à Mokili. Vous mets là, quoi, donc. Je ne sais même pas quoi dire parce que les mots ne seront pas déterminés ce que je ressens pour cette fille-là. Les mots sont tellement insuffisants pour Nakoloba ou Isaacatinanga. Parce qu'aucun mot est relaxé. Sa grandeur est là comme on l'a pour Tiffany. Mais s'il faut que le baron en ait un mot, je dirais que. Ou Isa, dans l'occasion anniversaire, je vais juste lui dire que. Akinde Liboso. Donc, ma promesse en Zambé s'est concrétisée. Les sous n'a pas moyen. Elle mérite beaucoup. Beaucoup. Merci. Merci. Non, je n'avais pas peur de ça. La seule chose qui m'avait piqué, c'était la musique. Parce qu'elle était déjà près d'elle. Elle était déjà aux études supérieures. Qu'elle a fait ça concomitamment avec la musique. Je croyais que c'était une chorale. Elle jouait, or elle voulait vraiment faire la musique. Alors, bon, lorsqu'elle s'est engagée, je n'ai pas fait aussi des problèmes. Parce que je peux vous dire que la première guitare électrique sèche, l'acoustique qu'elle a eue, c'est moi qui lui ai acheté ça. Bon, les gens naissent. Je leur ai toujours dit, lorsque vous naissez dans le quartier, vous pouvez être dans une famille, vous pouvez être les enfants, les cousins, tout ça. Mais c'est comme le canard et les oies. Vous connaissez les oies? Ce sont la famille des canards. Ils ont aussi des palmes. Mais les oies ont des coups allongés. Mais lorsque vous naissez et que les canards sont là, avec les oies, il n'y a pas tellement de différence. Seul ce qu'on est la différence, c'est la maman de l'oie ou qui les élève. Et il sait que celui-ci, c'est un canard, celle-là, c'est une oie. Dès son enfance, je l'avais appelée princesse et je lui disais, fais attention Fanny, tu es une princesse de sang. Mais il n'avait pas cru à ça. Moi, je lui parlais, je lui répétais ça. Souvent, je lui disais ça, que tu es une princesse, il faut faire attention à ta vie. Parce que tu vas être... Mais ce n'est que plus tard, même moi aussi j'étais étonné qu'on l'a appelée princesse. Ça m'a étonné.
mais ça ne m'a pas beaucoup étonné parce que ce qui tourne dans le pays ça est qu'elle reste fidèle dans Nzambe ou à salle la carte donc elle agit fidèle dans ou à salle dans Nzambe ou à salle là Nzambe continue toujours au salle belé en plus Bisso va autre modèle comme Panayena pour la vie de prière pas comme Michel Chrétien mais sa vie de prière on a basé mingi yango tout un modèle Panayé donc si on a prié Lelo on a commis Lelo c'est grâce à elle donc si elle reste ferme la vie de prière naé on peut bisso tout un modèle Panayé pas comme petit frère mais comme frère tout court. Ok, pour son anniversaire en tout cas moi j'ai toujours dit que dans la vie, il y a des événements qui marquent tellement une personne. Et pour les personnes qu'on aime, pour les personnes qu'on porte dans nos cœurs, on est toujours obligé de s'associer à ces personnes pour essayer de partager leur joie. Et comme c'est son anniversaire, je ne peux que lui souhaiter des bonnes choses, longue vie à elle, belle carrière, et surtout qu'elle ne dévie pas la voie du Seigneur. Surtout, qu'elle reste fidèle aux pieds de Jésus-Christ, notre Maître. Donc voilà un peu. Ah, je vais vous dire que tes amours sont mon âge. Je vais quitter. La sœur Fanny, donc, je suis tout à bon anniversaire. Je suis là, je suis là. Oh, ah, malgré mon côté, moi, oui, mes athées, sauté dans la naïma, ou loulou, on est là qui t'était là. Joyeux anniversaire, il y a un an et joyeux anniversaire. On a souhaité un joyeux anniversaire, on a dit Colo, Abaxelo et Soussou, Mikolo Bélé, Abaxelo, Mikolo Bélé. Oh, au sali, parfois, on nous sali quelque chose pour nous salir. Nous salité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Tiffany, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. On a beau t'aimer, on a eu ces plans de bonheur. Nous avons beaucoup qui s'apprête à monter manayo. Laisse-moi bandeau commenter au coma commissaire pour. Le Dieu de tout, il est omniscient, omniprésent. Et je te souhaite de bonheur et de bonheur et de bonheur et de bonheur. Et je te dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tiffany Mokwa. Joyeux anniversaire. Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Tiffany, mon quoi, Motama et l'amour, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma soeur Tiffany, joyeux anniversaire. Waouh, que Dieu te bénisse, qu'elle te fait encore une grande dame, une grande servante parmi les grandes servantes dans ce monde. Bye. Merci beaucoup. Ah! Attends, il y a une douce. Ah, il y a une baguette de salinga, surprise. Il y a une bonne belaye. Donc, quand même, bon anniversaire. Mais... Moi, Capella. Ah, bon anniversaire, serre Fanny. Vina yo, le yonganga, souhaite yo, ba bonne chose.
Nzambe ya Israël e azala na yo apambola nyonso tu okosala na journal lelo pe na vie na yo ezala célébré. Ozala malamu Serfani, donc yo. C'est ça quoi. Merci. Bon, nous plein de joyeux anniversaire à ma soeur Tiffany. N'a place de Witi, n'a place de Komeli. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. On était une famille où on a tourné ensemble dans la cour de Saint-Zambé. Et là, la famille est banale. La famille est en sens. Mais le jour au jour, Dieu a façonné. Alors, après, ça a vraiment sens. Donc, de bonnes choses. Alors, comme train, il est surtout là, dans la cima. Nzambé, c'est là. Mwana moto te bo akosangai abongwani pete bo awangata Nzambe ya luna zanye 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 luna zan